Nouvelle escalade, nouveaux affrontements entre les troupes turques et syriennes dans le nord-ouest de la Syrie. Une semaine après la précédente attaque, les tirs d'artillerie des forces de Damas contre les positions turques ont tué 5 soldats. La Turquie a aussitôt annoncé avoir riposté. Les combats se concentrent dans la province d'Idleb et la région voisine d'Alep, en partie dominée par les rebelles et les factions islamistes. Si la Turquie soutient les rebelles, la Russie soutient elle le régime syrien et lance régulièrement des raids aériens. La population civile, victime de ces attaques tous azimuts et des groupes djihadistes, continue de fuir en masse. Depuis début décembre, près de 700 000 personnes ont quitté leur foyer dans le nord-ouest de la Syrie. Le régime, qui contrôle désormais plus de 70% du pays, a fait de cette bataille d'Idleb son ultime offensive stratégique.